Bonjour, nous sommes le 16 août 2024. Je vous donne toujours la date parce que je ne sais jamais quand je mets les vidéos en ligne. J'en ai une qui a... J'ai filmé une vidéo il y a presque un mois, j'ai oublié de la mettre en ligne. Je ne sais pas laquelle vous verrez en premier, celle-là ou l'autre. C'est l'été, alors des nouvelles d'ici un peu. Ça fait depuis un mois qu'on a 35, 37, 38 degrés de moyenne tous les jours et 29, 30 la nuit, hein. Température ressentie dépasse allègrement les 40 très régulièrement. Voilà, c'est le changement climatique au Japon, c'est pas charmant. L'été est devenu la pire saison du Japon. Donc on le passe à l'intérieur. Le semestre est fini depuis quelques semaines. Cette semaine, je suis en vacances. C'est au bon. Au bon, c'est le 15 août. Ça n'a rien à voir avec le 15 août chrétien. C'est plutôt la Toussaint, si vous voulez comparer avec notre culture. Voilà, donc c'est la semaine où, souvent sur Internet, j'entends dire où les villes se vident, parce qu'on va dans la maison familiale, la maison de tes grands-parents. Oui, les villes, Tokyo et Osaka, très probablement. Ici, c'est plutôt la ville se remplit. Donc, au bon, voilà, les grandes villes se vident, mais enfin, Takamatsu n'est pas une petite ville, on est un demi-million d'habitants. Voilà, les autres endroits se remplissent, puisque. On parlera de la démographie japonaise un autre jour. Voilà, écoutez, donc je suis en vacances cette semaine, je suis à la maison, je fais pas grand-chose, on reste dedans parce qu'il fait trop chaud. J'ai pas mis les pieds dehors, enfin, pour aller faire les courses, quoi. Mais en dehors de pour aller faire les courses, quoi, j'ai pas dû mettre les pieds dehors depuis 3 semaines, ouais, c'est parfait pour aller au boulot quand je suis pas en vacances. C'est désespérant. Hier soir, il a plu, pour la première fois depuis un mois aussi, pendant 1 heure. C'est plein de trucs. On avait bien besoin, les animaux aussi, mais ça change rien, rien. Mon café commence à refroidir. Bon, mais on a un petit mot. Je prends mes lunettes. Je prends la boîte. J'ouvre la boîte. Je prends un petit mot. Je ferme la boîte. Et j'ouvre le petit mot. Le dessin d'aujourd'hui, c'est deux filles, c'est deux. Soit un hippie, un couple de hippies, soit deux filles, soit un couple de filles hippies qui se font coucou. Voilà. La citation. Quelle noblesse d'avoir un ami, mais combien plus noble d'être un ami. Avoir et être. Ouais, c'est pas mal. C'est de Richard Wagner. Quelle noblesse d'avoir un ami, mais combien plus noble d'être un ami. Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est pas génial non plus, mais c'est pas mal. Voilà, sinon, les autres nouvelles. David Lynch, que j'adore, qui est un de mes auteurs-réalisateurs préférés. Ses vidéos sont inspirées de quelques vidéos qu'il faisait il y a quelques années. Pour s'amuser chez lui, surtout pendant le lockdown du Covid, mais même avant, je crois qu'il avait commencé. Je ne sais pas si vous êtes au courant des nouvelles, mais donc David Lynch vient de déclarer qu'il est atteint d'une maladie des poumons dont j'oublie le nom. Elle n'a pas l'air mortelle, mais il a du mal à respirer, il peut plus trop sortir de chez lui, justement à cause du Covid, encore une fois. Mettez des masques, putain, arrêtez de penser que c'est fini, c'est pas fini. Voilà, il peut plus sortir parce que si c'est le chope, il va être en très mauvais état. Il a chopé cette maladie, il l'avoue lui-même parce qu'il a trop fumé toute sa vie, il ne le regrette pas, il essaie de retrouver le texte, je vous mettrai le lien aussi en dessous. Bref, un petit hommage à David parce que, ouais, voilà, ses vidéos sont inspirées de lui quand il cherchait touiller la boîte pour trouver le numéro. Moi, j'ai fait ça m'a donné l'idée quand j'ai reçu cette boîte en cadeau un jour. Donc voilà, hommage à lui. Il a dit qu'il ne prenait pas sa retraite, il fera des films depuis chez lui, on verra comment. Et vous savez, petit truc que peu de gens savent, Lost Highway, qui est mon film préféré de lui probablement, la maison de Lost Highway, la maison où habite le couple, c'est en fait à 2 maisons de la maison de David Lynch. D'ailleurs, il a acheté la maison entre-temps. À l'époque où il a tourné le film, il ne l'a pas acheté, elle ne lui appartenait pas, il l'a louée pour faire le film. Et puis du coup, il l'a tellement aimé qu'il a acheté la maison. Donc il y a la maison de David Lynch, il y a un voisin. Et il y a cette maison, et maintenant il s'en sert comme bureau, comme studio. Donc voilà, à la limite, il pourra faire des films chez lui. Voilà, je sais pas, on verra. Qu'est-ce qui va se passer?
Je voulais aussi me parler un petit peu de mes lectures actuelles. Vous savez, l'année dernière, j'ai eu cette sciatique qui m'a complètement tué l'année. Et je ne pouvais pas m'asseoir et lire sans s'asseoir. C'est difficile, lire debout, c'est très difficile. Lire couché, pas plus mal. J'ai lu couché. Je me suis abîmé l'épaule en lisant couché. Donc voilà. Bref, je relis, je me remets à relire. Et du coup, je me remets à relire trop, comme d'habitude. J'ai assez le temps de lire. Donc, qu'est-ce que j'ai comme lecture en ce moment? Je suis en train de relire Invisibles. Je l'ai lu la première fois il y a 25 ans, je crois. Ça a 30 ans maintenant, presque. Écoutez, si vous connaissez, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, lisez-le. Ça a 30 ans, il y a des petits morceaux qui sont un peu passés, mais pas tant que ça. Lisez-le, c'est une des BD qui m'a le plus influencé, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui a l'impact le plus fort dans ma vie. Lisez-le, relisez-le, si vous connaissez, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, lisez-le, c'est peut-être ma cinquième, sixième, septième lecture, je ne sais pas. C'est très gros, hein, ça c'est juste un volume, c'est gros comme ça en tout. C'est juste ma couverture préférée. Je viens de finir Formica de Fab Caro. Alors, Fab Caro, vous connaissez certainement en France, moi je l'ai découvert très récemment. Ouais, j'adore, c'est rigolo, c'est un des rares auteurs qui me fait vraiment physiquement rigoler quand je le lis. Celui-là m'a déçu un petit peu, il est assez récent, je crois. Le problème avec Fab Caro, c'est que j'ai commencé, je l'ai découvert avec Zai 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 Zai, comme il y en a, je sais pas, et River Moon. Et je pense que c'est probablement ses deux meilleurs livres. Parce que tout ce que j'ai lu depuis, j'ai bien aimé, mais j'ai toujours été un peu déçu ou resté sur ma faim. Alors que Zai 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 et River Moon sont vraiment excellents, sont une narration. Enfin, c'est très très rigolo, mais il y a une vraie construction, une vraie structure dans le livre et tout ça. Formica, c'est l'histoire d'un repas de famille où les gens ne savent pas de quoi parler. Voilà, et ça dure tout le livre. Il cherche des sujets de conversation. Et le problème, c'est que je crois que Fab Caro aussi ne sait pas trop où aller avec ça. Et lui aussi, il ne sait pas trop de quoi parler parfois. Donc il y a des moments chiants. Désolé, il y a des moments chiants dans ce livre. Il y a des moments très très bons aussi. Il y a quelques pages géniales, mais le nombre de pages géniales est vraiment un peu trop faible. Donc je le conseille aux inconditionnels de Fab Caro, qui l'ont probablement déjà lu. Sinon, je vous conseille plutôt Zai 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 ou River Moon si vous voulez le découvrir. Quoi d'autre? J'ai acheté une nouvelle liseuse, on dit liseuse en français, e-book reader, liseuse, ouais. J'avais un Kindle depuis presque 10 ans, 7 ans, 8 ans, et j'en avais marre. Déjà, l'écran était trop petit, et puis je veux essayer de me libérer de. De l'emprise d'Amazon, c'est difficile quand on vit à l'étranger. Amazon a une utilité quand on vit à l'étranger. Désolé, c'est une compagnie que j'aimerais éviter. Si vous habitez en France, vous n'avez pas vraiment beaucoup de raisons de l'utiliser. À l'étranger, il y a des choses, j'en ai besoin. Mais voilà, donc je les livre. Ça m'embêtait de acheter tous mes livres chez eux, hein, tous mes e-books chez eux, parce que voilà. Donc j'ai acheté une Kobo. Ouais, que je découvre, hein. Donc il y a des bons côtés, il y a des trucs. Je veux pas faire la pub de l'un ou de l'autre. Il y a des trucs mieux chez Kobo, des trucs mieux chez Kindle. Voilà. Elle est en couleur par contre. C'est rigolo une liseuse en couleur. J'aime vraiment les écrans e-ink. C'est pas assez populaire, c'est pas assez célèbre, mais je suis vraiment fan de ces écrans. J'ai aussi comment dire, un cahier électronique, hein, pour y prendre des notes en e-ink qui est génial. Et donc voilà, j'ai une liseuse en couleur, donc je lis des BD avec aussi. C'est pas, l'écran est quand même un peu petit pour lire des BD, mais ça marche. Donc j'ai lu Le combat ordinaire de l'Arsenet, dont j'avais entendu parler depuis des années et des années, 20 ans, il a 20 ans ce bouquin maintenant. Et je n'avais jamais lu. J'ai découvert l'Arsenet récemment, je le connaissais de l'époque glaciale il y a plus de 20 ans, 25 ans ou plus. Et c'était rigolo, mais je sais pas, j'étais pas super fan. Et j'ai découvert ces choses plus récentes, hein, qu'il a écrites plus sérieuses. Il a écrit. Oh merde, j'ai pas le titre en tête maintenant. Je vais le mettre en encart là. Voilà, celui-là. qui est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Et je pense. L'Arsenal dans ma tête, il faisait des blagues prout, caca prout. Et non, pas du tout. Enfin, peut-être je me suis trompé, je sais pas. Ce livre est un chef-d'œuvre absolu. Et donc j'ai lu Le combat ordinaire et c'est pas mal. Je m'attendais à un truc plus social en fait, peut-être le combat, la lutte, je sais pas, lutte sociale.
Et non, c'est un récit très personnel de quelqu'un, peut-être autobiographique, je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Juste la fin, elle part un peu trop rapidement. C'est le format des BD françaises, hein, il faut faire un 50-60 pages maximum. Et ça aurait peut-être mérité quelques pages de plus. Je sais qu'il y a une suite, on verra, je la lirai tôt ou tard. Et finalement, je suis en train de lire Fire and Blood de George R. R. Martin. Qui. Voilà. House of the Dragon. Personne n'en parle sur Internet, c'est bizarre. Hein? C'est le, vous savez, ça se passe la guerre civile des Targaryens 2 ans avant Game of, 200 ans, 200 ans avant Game of Thrones. Et j'ai commencé à le regarder. C'est bien, c'est pas mal comme série. Je sais pas pourquoi personne n'en parle. Et par contre, je me suis fait spoiler à mort, quoi. Je sais pas pourquoi. Pour Game of Thrones, les gens faisaient attention de ne pas spoiler sur Internet. Et là, les gens, j'ai l'impression qui ont lu le bouquin, là, non, rien n'affiche. Donc, du coup, j'en avais marre de me faire spoiler. Je sais le Red Wedding de House of the Dragon qui viendra en saison 3 ou 4. Voilà, je le sais déjà et ça me fait chier. Et donc, j'ai décidé de lire le livre. J'ai commencé à lire Fire and Blood. C'est un gros bouquin, c'est assez bizarre. Martin n'arrive pas à finir sa série de Game of Thrones. Et il écrit des bouquins de 900 pages sur le côté. Bon, bref, il fait ce qu'il veut. Moi aussi, j'écris, je sais pas combien d'histoires en ce moment et j'en finirai peut-être aucune. Donc, je le blâme pas, je le comprends. Sauf que moi, je publie pas. Donc, j'ai pas de fans qui m'attendent. Je le publie sur internet, metastructures.net. Je mets des liens. Et voilà, donc c'est gros. C'est bizarre, c'est un livre d'histoire en fait. C'est pas tellement un récit, c'est pas une fiction. C'est une fiction, c'est pas une histoire, c'est un livre d'histoire. Donc, en telle année, machin, il a fait ça, machin, truc. Donc ça se lit facilement, en fait, et rapidement, mais c'est pas... C'est un livre d'histoire, imaginaire, c'est assez rigolo. Voilà mes lectures du moment, je pense. Voilà, je vous les conseille, si vous savez pas quoi lire. Sinon, il faudrait que je relise un Bégodeau. J'avais pas lu, je vous en ai parlé il y a quelques vidéos. Je suis vraiment fan du mec, et en tant qu'auteur, et puis même en tant que mec, quand je l'entends parler à la télé, il est vraiment toujours intéressant. Et je l'avais relu pour la première fois il y a quelques mois, pour la première fois depuis 20 ans, et je crois qu'il faut que je relise plus de lui. Donc ça sera peut-être ma prochaine lecture. Je vous tiens au courant, je vous mets des liens en bas, dont Richard Wagner. Qu'est-ce que je dois vous mettre en lien? J'ai oublié. Je sais pas, vous verrez les liens. Voilà, allez, à bientôt, bye bye.